on est avec plaisir, on vient de Montréal, on fait de la musique math rock emo. Qu'est-ce qui définit un peu la musique, au fait, c'est math rock emo, c'est genre deux termes fucking large. La question à 1000 piastres. Exact. Écoute, la musique emo découle de la musique punk rock des années 90-2000. Mm-hmm. La musique math rock, c'est un genre qui est un peu... Tu sais, la musique, c'est toujours une histoire de style qui branche de d'autres styles, puis c'est très très rare qu'un style de musique qui va naître dans un... comment on dit... de façon isolée ou dans un vacuum, comme on dit. Et tu sais, un contexte social aussi, puis genre un endroit que ça se passe aussi. Ouais, genre, je dirais principalement, je veux pas trop loin et trop vite, mais je dirais principalement que la bulle dans laquelle on se situe, c'est un peu une bulle qui est née dans le Midwest américain début 2000, disons mi-2000, puis c'est juste c'est quoi. Là. On fait surtout juste la musique qui sort naturellement. On n'essaye pas de se coller à un genre nécessairement. Je pense que le genre qu'on a, c'est plus le résultat naturel de qui qu'on est et où est-ce qu'on est en tant que musicien dans nos vies et dans nos parcours. Genre. On n'a pas nécessairement eu un objectif en termes de output dès qu'on a commencé en disant bon, on veut faire ça puis on veut sonner comme telle bande. On avait juste un background musical avec un gros overlap. Puis je pense que ça a fait que ça a donné, Puis tu sais, si tu regardes, on le veut depuis 2018, puis tu regardes les tunes qu'on écrivait en 2018-2019 quand on a commencé, puis qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, tu sens que... Bah là, ça va être prétentieux aussi, là, mais il y a une évolution. Maturité. Mais non, mais que ça change, que ça se développe, puis que ça stagne pas, puis que... Tu sais, t'as pas... Ça change, je pense, tout le temps. Parce que qu'est-ce qu'on écoute aussi, ça change au fil du temps, parce que tu sais, il y a tellement de groupes. Puis avec Internet, ça on est exposé. C'est plus, ça. Ça va vite, puis on est exposé à une quantité de nouvelles musiques, genre, qui est incroyable. Regarde juste avec Spotify, puis les vendredis, t'as une liste longue de même de nouveaux bands d'écouter, tu sais. Fait que, c'est. Tu sais, je pense que je peux facilement imaginer. En tout cas, quand j'ai commencé à jouer de la musique, il y a très, très longtemps, il y a peut-être une vingtaine d'années, c'était facile parce qu'il y avait beaucoup moins de bands, puis t'avais un petit répertoire de bands que t'aimais, puis qui influençait un peu, tu sais. Aujourd'hui, il y a une quantité énorme, puis c'est comme un peu une tempête de tout, plein de choses. Pis... C'est que dans le temps, t'avais moins d'outlets. Les seuls plans sur découvrir la musique, c'était à la télé, t'avais certaines zines, des zines ou whatever. Ben, t'avais des petites scènes, mais là, c'est que t'as plein de micro-scènes qui ont autant d'exposure à cause de tout ce qui est... J'ai l'impression aussi que les bands que tu découvrais à l'époque, tu sais, genre de 90, puis ces coins-là, je pense qu'ils restaient avec toi plus longtemps. Parce que justement, t'en avais moins. Ouais. T'en avais moins, fait que tu prenais plus le temps. Tu les consommais moins, je pense. Puis que t'apprenais à les connaître un peu plus, puis tu suivais un peu plus longtemps. Donc, par la force des choses, il y avait un petit peu plus d'influence sur ce que tu faisais en tant que musicien. Versus aujourd'hui, quand tu consommes une quantité de bandes, puis qu'il y en a un très faible pourcentage qui vont t'accrocher au point où que, là, ils vont te suivre, puis qu'ils vont vraiment avoir une influence sur ce que tu fais, genre. Il faut plusieurs touchpoints maintenant, tandis que dans le temps, tu payais 20$ pour un CD, puis là, c'était comme, fuck, j'aime pas vraiment la première écoute, mais je vais l'écouter encore 50 fois parce que j'ai 10 parce ans, que j'ai 12 ans, juste 15 ans. Ouais, c'est un excellent point, pareil, là, je me reconnais un peu là-dedans. Il y a des albums que genre, j'ai vraiment pas aimé la première écoute. Finalement, je pourrais jamais m'en lasser, puis j'ai l'album au complet, que si je l'avais consommé un temps aujourd'hui, un single qui part dans une playlist pour les faire, j'aurais fait genre, puis là, il y a comme une sur-offre un peu. Là. Mais pour enchaîner un peu, qu'est-ce que vous avez dit, de qu'est-ce que je comprends aussi, qu'est-ce qui est cool avec plaisir, c'est que c'est vraiment un assemblage de différentes influences, puis différentes personnes, en différent, bout de ligne, background, genre. Différent, oui, mais pas tant différent, parce que on. En fait, je peux peut-être faire l'historique rapide, un peu, comment ça a commencé, parce qu'au début, c'était pas vraiment un band. Parce que, dans le fond, moi, j'ai une compagnie de pédale de guitare, plug gratuite, shameless. Puis. Ground Control, oui. Merci, monsieur marketing. au début, mon produit, je voulais qu'il y ait un dessin dessus. Puis j'ai rencontré Sam par l'entremise d'un ami commun, parce que Sam était designer illustrateur aussi. Puis il avait envie de faire les dessins sur mes pédales aussi. Fait qu'on a commencé à travailler ensemble comme ça. Puis après, genre, quelques temps à se côtoyer, on s'est rendu compte qu'on avait sensiblement les mêmes goûts musicaux presque exactement. Puis de fil en aiguille, ben là, on fait toute la musique ensemble. Au début, c'était pas supposé être un band, c'était juste un projet d'enregistrement, un projet d'écriture, parce que j'étais pas mal occupé avec plein d'affaires, puis c'est tout le travail.
puis après ça, ben là, il y a Julien qui parlait à Sam en même temps. On se connaissait pas, mais il se parlait, puis là, il parlait pour un band, whatever. Fait que, okay. Ben non, on a fait comme, ben là, guys, on va sortir un band, puis là, Sam, il connaissait Max aussi, le drummer. Okay. Fait que ça a commencé comme ça, là. Puis, fait que ça a commencé avec. Ben, tu sais, oui, tantôt, je disais qu'on s'était pas donné d'objectif en termes d'output, mais en même temps, on a commencé le band sur les goûts communs qu'on avait. Fait que forcément, on s'est dit, ben, c'est ça qu'on veut faire comme musique. Mais on s'est pas dit non plus, ben, on va faire comme telle band, comme telle band, comme telle band. Ouais, parce qu'il y en a une quantité faramineuse. Mais ouais, fait que c'est un peu comme ça que ça a commencé. Fait que ça fait en sorte que, tu sais, oui, on n'est pas quatre personnes identiques. Sam et moi, on a un gros overlap. Julien, il est un petit peu plus. Mettons qu'on avait un diagramme de Venn, il est un petit peu plus à l'extérieur de ça. Puis Max, le drummer, qui est d'ailleurs le seul musicien qui a une formation en tant que musicien, c'est le seul vrai musicien du band. Lui, il est pas partout dans le genre de musique qu'on fait, il écoute pas ça partout. Mais je pense que ça apporte une richesse, surtout au niveau du drumming, parce que justement, il est pas affecté par l'influence de ce genre-là, puis ça fait en sorte qu'au niveau de la rythmique, on est capable d'être peut-être un petit peu plus. Mais ça aussi, je suis pas capable de pas s'en être prétentieux. je pense que ça donne une espèce d'opportunité. Non, pas d'opportunité. Le résultat, bref, de ça, c'est qu'on côté rythmique, peut-être, c'est un peu plus Max à l'état pur plutôt que genre, ben, tu sais. Max qui sonne comme quelqu'un d'autre. Quand même. Genre, mais à base, c'est aussi, c'était pas supposé tant être un band, c'était plus, on voulait jammer. Ça a commencé de même, là. On aime jammer, on aime jouer. On s'est même pas dit on va faire des shows. On n'a jamais eu d'ambition pour quoi que ce soit. On est tous occupés pas mal jusqu'aux arènes. T'sais. Mais c'est comme un peu une sorte d'exutoire. C'est pour le fun, en fait. C'est exactement jamais... pour ça qu'on l'a appelé de même. C'est pour ça qu'on l'a appelé de même, c'est à cause d'un camion de Sanout. Je sais, mais ça sonnait cool, puis ça fitait avec. Oui. Ben, moi, je connais l'histoire du camion de Sanout, c'est drôle, là, par contre. Ils nous volent tout notre SEO. C'est parce qu'on cherchait un nom. Tu sais, quand tu pars un band, c'est tout le temps pareil. Hein? Tu veux te trouver un nom, on va être commencé à écrire de la musique. Là. Mm. Fait que, mais on avait commencé. Puis là, tout le monde propose des affaires, puis là, jusqu'à t'as quelque chose qui accroche. Puis c'est toujours un peu trop d'efforts, trop essayé. Puis moi, j'ai toujours dit que, c'est quelque chose que je répète ça souvent, les meilleures idées, c'est celles qui viennent spontanément. Ouais. Puis je me rappelle un soir, je marchais dans la rue, puis je me retournais vers chez nous, puis il y a une compagnie genre de... C'est un traiteur. Un traiteur qui fait des sandwichs, ces affaires-là, là, qui a un camion qui s'appelle Avec Plaisir, mais avec un S. Puis je me rappelle que je suis passé devant, j'arrêtais, puis c'est comme j'ai une épiphanie, c'est comme s'il y avait genre la lumière qui tombait sur le camion. Je sais que c'était beau, j'ai dit, gars, ça s'appelle Avec Plaisir, puis ça a cliqué, puis c'était ça.
merci. Cette émission d'accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.